Pas de vacances en vue pour Booba et Kaaris. Après avoir passé près de 45 heures en garde à vue, les deux rappeurs ont été transférés au tribunal correctionnel de Créteil. Ils étaient jugés en comparution immédiate pour violence volontaire et vol aggravé, puisqu'ils sont accusés de s'être servi de bouteille pour frapper. Selon le parquet, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Les deux hommes ont été présentés au juge. À titre exceptionnel, l'audience avait lieu dans la salle de cour d'assises, histoire que les deux prévenus soient dans des box séparés. Chacun a pu livrer sa version des faits, deux versions totalement contradictoires, vous vous en doutez, chacun se renvoyant la responsabilité des agressions. Le procès a été renvoyé au 6 septembre.